Bonjour Jackie. Ah, bonjour à tous et bienvenue donc ici à Pretoria. Pretoria, si vous cherchez à acheter un appartement en Afrique du Sud, choisissez le bon prix, choisissez le Pretoria. Donc pour ce match ultra ultra important pour l'équipe de France, hein, parce que s'ils perdent c'est les All Blacks, s'ils gagnent c'est les Galles ou l'Irlande. Oh, c'est ton choix, oui. Merci pour ce début, Jackie, alors que l'on s'apprête à entonner les hymnes maintenant. Bonjour. Le public est chaud, Jackie. À l'arrière, Elliot Ness. Les lignes arrière maintenant, Love Me Baby 14, Stone et Charden 13-12 et McEnroe le 11. Mac 10, numéro 10, Scotland Yard numéro 9. Le 8, c'est Stuvesant, le 7, les Dons, le 6, Macro. Le 4, Slim Fat. Le 5, 1,5. Ouais. Le 1, c'est Surgelé, le 2, c'est 100 balles. Et le 3, Où tu vas ? Voilà pour cette formation écossaise. Oui, superbe formation écossaise favorite quand même dans ce match. Vu la branlée qu'elle a foutue cette pauvre Côte d'Ivoire, là vraiment. C'est vrai. Dommage, Côte d'Ivoire qui a d'ailleurs perdu, elle aussi, face au Tonga. Dommage. Oui, mais dans Tonga, il y a de l'eau. Oui, c'est important, oui. Alors que là, les remplaçants de 1928 sont là, invités par la fédération et que l'hymne traîne là, Jacques. Un peu, mais enfin ils aiment ça, apparemment c'est rugbyman fier de porter leur maillot et leur culotte avec. Savoir que les Écossais, eux aussi, pencheraient pour l'indépendance, ils ont bien envie de se barrer de la tutelle de la reine. Et on va peut-être enfin pouvoir écouter les gens, ouais. Ça y est, les autres. Ouais, s'il vous plaît, ouais. On va peut-être avoir la Marseillaise d'ici peu. C'est possible. Entre nous, une équipe réunie, prête à nous en faire baver. Prête à nos enfers pavés. Entendez-vous dans vos tunnels mugir ces commentateurs-là qui viennent jusque dans vos baffles égayer vos fils et vos compagnes. Osons, concitoyens, faire vivre le ballon. Marquons un tas d'essais et allons nous saouler. Oh, et un moment fort pour cette équipe de France qui ne doit pas rater ce match avec Centurion en 15, NTM en 14, M6 c'est là bien sûr, Javel et tout va bien pour tout derrière. Dile Coco en charnière, faudra s'en méfier de Dile Coco, ça devrait péter le feu ça. Bonne ligne. Vous me reconnaissez en 8, McCabe en 7, 6, Belaki, Merde en 4, Mammouth en 5, Khalif, Speedy et Benz en première ligne. Oui. France et quoi, c'est en direct Afrique du Sud, qui aurait pu imaginer ça il y a encore quelques années à Toulouse. L'effort physique intense. La joie de jouer. L'énergie retrouvée. C'est Sportaz. Ouais. Ah, le stade est plein pour ce... C'est déjà un quart de finale, ça, Jacques. Hein, Jacques, ah, Jacques. C'est un quart de finale avant la lettre, comme on dit du côté de ces Patrice Jameau. Rarement. Jamais. Ah, monsieur l'arbitre dont on a très peu parlé. Ouais, monsieur Lys. Devant. Ouais, Lys devant. Monsieur Lys devant, il sera assisté de monsieur sur les oreilles et de monsieur court derrière. Monsieur Lys devant, d'accord. C'est noté. Il attend que la caméra ne le regarde plus, voilà qui est fait. Avec Jean-Louis à la réalisation ce soir, merci. Et le score est de 2 drapeaux à 1 ballon pour le moment. Ça va être le coup d'envoi, Jacques. Je te sens tendu, qu'est-ce qu'il y a? Oh, hein, ouais, ça va, je suis un peu tendu parce que ces Écossais me font peur. Ah, attention. Oh.
C'est parti en musique avec une récupération de balle par les Écossais. Alors on attendait un début de match français. Merde, dépêchez-vous les mecs. Alors il faudra pas que les Écossais viennent dans la moitié de terrain, bien sûr, des Français, parce qu'avec le buteur qu'ils ont, disons, t'as vu ça, les yeux fermés à minuit, à 3h du matin, complètement bourré, il les met quand même. Il n'y a que 80 minutes, oui, alors il faudra un petit peu accélérer rapidement pour que ce match bascule rapidement côté français, sinon on ne restera pas longtemps en train de commenter ce match de plus avec votre téléviseur que nous espérons allumer. Première touche, important, prise de balle française. Oui. On va la sortir cette balle, oui. Non, monsieur Lys. Qui rêve de faire du cinéma, il faut le savoir, qui va tenter de passer plus de 50 fois à la caméra. C'est son challenge à lui. Hein? Première mêlée importante. Oui. Jackie. Oui, le poids total du public, quand même, on en a très peu parlé. Nous sommes au-dessus des 2500 tonnes. 2500 tonnes de chair humaine et la mêlée française tient le coup. C'est pas mal, ça. Madame, venez voir quelque chose. Allez, hein. Petit coup de pied, là. Oui. Oui. Oh ouais. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là, le 15 Elliott Ness, enfin. On continue. Récupération de balle, Scotland. Qui lâche pour Yard et qui dégage. Ouais, on trouve une touche. Mais l'arbitre a sifflé quelque chose, Jacques. Hors jeu peut-être français, somme toute. Hein? Allô? Que se passe-t-il à Toulouse? les cons. Alors c'est le commentaire sportif allumé, le CSA. Oh, cette charge. Et on va revoir ce choc entre Elliott Ness qui monte très haut. Oh, Toyota. Tout va bien, qui vient le faucher. Et tout ceci, bien sûr, devant Toyota. Mais quand même, le match a l'air très réglo. Bien réglé, même. Touche écossaise. Prise de balle, que dit l'arbitre, rien à jouer. Jouons et il joue. Et il tape. Voilà. Loch Ness qui a la balle dans ses pattes. Non, il l'a lâché, c'est bon. Récupération à Scotland Yard. Et... petit coup de botte là de Elliott Ness. Il y a Century qui est là, mais. Ouh, il n'est pas seul. Oui, mais en avant, il y a de tout. Il y a des coudes, il y a du pouce-bourre là. Ouais. Non, c'est pas bon ça. On échange, on arrête et on continue le match. Cet arbitre est solide. Hein, il est superbe. Musculairement, il est fantastique. Capillairement, il n'est pas mal non plus. Et les Français vont se dégager. Oh, on est inquiet, Jacques. Hein. Là, on est juste tous les deux, mais je peux vous dire que on n'est pas fiers. On n'est pas fiers. Et ce sera une touche juste à hauteur de la ligne médiane avec Visa et Speedy qui l'a fait. L'arbitre est bien derrière. Mahmoud, vous me reconnaissez. Prise de balle française. Oui, bien vu ça avec Spilly qui se bat. Ça y est, le maillot blanc pousse et enfonce son vis-à-vis. Allez la France. Allez la France. Récupération écossaise. Bruce Touvezante qui s'en va maintenant. Il lâche. Les Écossais sont bien. Feinte de. Oh, il est bien. Bien, mais il y a trois Français là contre un petit Écossais. Les Écossais ont encore la balle, c'est fabuleux ça. Ça joue bien, c'est bien, c'est bien fait ce petit coup de pied. Mais allez, direct. Oh, famous écotiche. Oh là là. Merci aux musiciens d'avoir égayé cette action écossaise. Merci messieurs, voici le chèque. Ah, effectivement, une équipe écossaise qui maintient bien ce match dans le camp français. Ils ont une bonne maîtrise du ballon. Oui. 70% nous indique-t-on là. Merci. Speedy a le ballon, il cherche caméra 2. Lui aussi il l'a trouvé, c'est mieux. Oh là là, dis donc, il y a un aviateur dans l'équipe française. C'est étonnant, oui. C'est Benaki qui est pris, il est seul. Il se retourne quand même, il lâche la balle, c'est bien fait. Coco qui est pris. Un peu n'importe comment les côtés battants des Écossais là, c'est bon, ils ont sorti leur bâton. Eh oui, mais les Français, Benaki encore une fois qui est là. Allez, on la sort confusion, cette balle. Mais stop, mêlée à gauche, voilà. Mêlée à gauche. Alors, il y a des résultats pendant toute cette fin d'après-midi à vous donner, Roland-Garros. Eh bien oui, le premier c'est que le service s'est passé à 18% donc, dans tous les bars du village de Roland-Garros. Oui, et puis Georges Marchais qui a battu au deuxième tour son concurrent en direct, Georges Delerue. Et au combat des Georges en 3-7.
avec un 6-1 au troisième set, terrible. Le poids des packs, le choc de l'arbitre, il la prend cette balle. Ouh, c'est bien fait, ça part dessus la défense française. Ouh, récupération, cette balle. Allez, allez. Capricieuse, oh, la balle. Oh là là, oui. Ah, non. Ces ballons ovules, c'est terrible. Pourquoi il a arrêté l'arbitre là? Il s'est passé quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas saisi. Je n'ai pas saisi. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Non. Et vous? Bien, il me semblerait qu'il ait dit à vous Toulouse, hein, mais je n'en suis pas sûr. Vous aussi, écoutez des professionnels. Oh là là. Sportaz, les professionnels, sans Jean-Paul Belmondo. Oh là là, quel horreur. Effectivement, Jackie, alors vous y étiez sur l'action ou je n'y étais pas? Attention quand même, parce que les Écossais sont bien présents maintenant en ce début de partie. Oui. Ça fait deux fois qu'ils contournent la défense française et pour l'instant, ils sont là encore. Ah, attention à ce que vous faites. Jean-Paul Belmondo le contourne. Il va pas tenter le drop n'importe comment. Regardez cette défense terrible des Français et ces Écossais qui maintenant maintiennent la balle. Oui, ils ont une maîtrise du ballon, on l'a déjà dit, à 70%, 71, m'indique le temps arrêté. Ah, qu'est-ce que c'est? À gauche. Ça y est, il le tente. Ouais. Il l'a tenté. Nous sommes mal placés. Non, nous sommes mal placés, mais je l'ai vu. À côté. Ah, oui. Qui est ce numéro 10, Jacques, s'il te plaît? C'est Mac 10. Oui, notre ex-stadiste du Toulouse, stade toulousain donc. Et donc 0-0 comme le dit Jean-Louis. Oui, on nous précise qu'on avait oublié de dire que le Subdoco Toulouse, l'ES Toulouse est championne de France. Oui, oui. Vous êtes sûr qu'on a oublié? On a oublié, mais bon, on a fait comme. Ah, chronospeed, c'est super speed, oui. Vitesse de ce match, relance française inédite. C'est pas mal fait ça, mais c'est Elliot Ness qui prend la balle et qui s'en va seul maintenant. Oh là 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 là, grande chandelle up and down. And under, c'est direct, donc on revient, c'est minable. Elliot Ness regagne sa place dans le commissariat central de Chicago. Ou alors, ça ressemblait à du rugby, ça avait la couleur du rugby, mais c'était du football américain. Il va plutôt poser une bombe chez Roland et l'Arqué là-bas. Ne vous trompez pas, ils ne sont pas là. Belle prise de Benaki, Yakoko, Odile. Ouais, on nous a changé le public qui n'était pas bon. Oui, là. Mais Ben s'est lâché la balle, ce sont les Écossais qui repartent. Attention les Écossais. Pas là. Goal Scotland. Alors qu'il y a des prunes qui partent, mais c'est rien. Touche. Écossaise. Eh dis donc. Une touche écossaise quand même, c'est du sérieux. C'est frais. Oui. Qui c'est les accompagnateurs musicaux du match? Love on the Bird. Ok. Touche. Et il y a un Français qui est blessé, c'est vous me reconnaissez. On est en train de lui prendre le pouls, il peut repartir. Voilà qui est fait. Oula. On remarque que c'est un ancien kiné là qui est en train de jouer le ballon. Oui. Il prend en belle prise. Hein. Putain, mais déshabille-toi, il n'y a personne. Là, déshabille-toi vite, hein, pour essayer. Allez! Voilà. Hein. Et c'est Diel qui dégage. Pas mal. Au moins, est-ce que ce soit Century? C'est Century. C'est vrai qu'on ne la reconnaît plus depuis leur coupe. Alors? Oui, Jackie. Oui, alors une information capitale pour ce match. Donc, le ballon, attention, qu'est-ce que tu photographies, salopard? Le ballon. Oui, eh bien, le ballon est en train de perdre du poids. Et il se pourrait que nous ayons un changement de ballon au cours de cette partie. Ce serait quand même assez regrettable. Les buteurs ont du mal à s'acclimater au nouveau ballon de rugby. Madame, je vous emmerde. À vous, Toulouse. Oh là là, oui. Allez. Jean-Louis, j'ai pas envie de faire dans 30 secondes, je vous préviens à tous. T'as qu'à fermer ta gueule. Ouais, d'accord. On indique qu'effectivement on ne veut pas à Toulouse. Et c'est une mêlée introduction écossaise. J'aurais pu être plus réglo à l'antenne. Merci, il fait 18 degrés et demi ici. C'est une bonne température pour nous, les hommes. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, les Écossais sont en train de faire leur partie et empêchent les Français. Oh là là, dommage. La récupération écossaise eût été fatale. C'est un Français qui tient bien la route. Mais non, c'est un en avant. Et l'arbitre sifflera une mêlée introduction française. Mais là, nous souffrons
terriblement. Oui, nous souffrons le martyr, là. Vous ne le sentez peut-être pas, vous, dans vos fauteuils, parce que vous êtes loin du stade, comme nous. Mais nous, nous sommes près de vous. Par le 61-21-64-05, et au cours d'un moment, à un moment donné dans cette partie, bien sûr, il y aura des choses à gagner. Oui, plusieurs. Eh oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et remêlé. Mais non, pas toi, putain. Ah, il y a un moment de faiblesse, là. On voit les joueurs se regarder les baskets. Ils sont pas sûrs qu'ils sont sur le bon terrain de foot. On pourrait en profiter pour ne rien faire. Oui, mais nous ne le ferons pas, par contre, un nouveau résultat. C'est... Oui, dans le match pour l'accession en D1 du TPC, c'est pour l'instant Lévy qui l'emporte avec le deuxième set, mais Bonis a le service pour lui. Allô ? Oui. Allô, du monde. Le coucou, là. Excusez-moi, il y a du monde ici avec nous. On écoute de la jungle. Mais les Françaises. L'arbitre demande d'arrêter de pivoter bêtement, là vous m'agacez tous. Si ça continue, je vous mets un coup franc. Quel bordel! Ah, le public est en forme quand même pour ce 18e match de la Coupe du Monde, exactement. Au moins 4 minutes d'arrêt de jeu, dis-donc. Faudra les décompter, monsieur. Il ne décompte plus rien. Il rigole. Un petit peu comme nous d'ailleurs dans ce début de match. Un peu décevant parce qu'on ne voit pas de jeu écarté, de jeu à la main, de jeu. Ben, comment dire. De jeu t'emmerde. De jeu. Oh, quel joli coup là. Effectivement. Oh. Oui, Jackie, à vous. Ah oui, dans la tribune, un premier claquage du poignet. Donc, enfin, d'un muscle du poignet pour un journaliste. Écossais qui pour l'instant économise un maximum ses mots et ne dit plus rien du tout, n'écrit plus rien, ne fait plus rien, seulement constate la puissance écossaise face à la fébrilité française. Allons enfants. Dites-donc. Merci Jackie. Super. Retour sur cette touche. Et il nous reste environ comme c'est inscrit. Merci Jean-Louis. Le club des bandeaux est là. Il lève le bras droit, il dit je le jure, il lance la balle. Belle récupération, et on ouvre rapidement. Ouh, belle prise de balle. Il y a eu quand même un peu d'à peu près. Pas mal de à peu près du tout. Et récupération écossaise quand même, c'est dangereux, il y va. L'arbitre a sifflé. Il était en jeu, c'est idiot là. Et il n'a pas attendu le jingle Radio Campus pour partir. Et donc il sera pénalisé d'une Bosnie, mêlée. Bosnie, brochette, siège à l'ONU. Bosnie, brochette, siège à l'ONU. La mêlée française tient bien. Que ça sent bon. Ah ouais, qui c'est qui nous a sorti les merguez là? Ouh là là, que ça sent bon. Ouh là, ouais. J'ai la nasale qui s'affole. Roger. Ouh. Ouais, deux merguez, ouais. Qui a trouvé cette grande touche? C'est Javel. Ouais, Javel, plus superstitieux que jamais, vous l'avez vu là, il a jeté le petit caillou comme il l'avait fait en 75, puis en 85, et donc aussi en 95. Dans les vitrines. Il le fait chaque année. Javel qui est aujourd'hui parfumé, peint. Pain des Landes, alors que là nous avons un problème avec qui est-ce. Là c'est le schtroumpf, c'est assez bizarre. C'est le schtroumpf, coq, je crois qu'il l'appelle coq, côté du taf français. Enfin, ils ont beaucoup de termes comme ça, c'est bizarre. Benaki qui prend la balle et qui la libère pour ses partenaires. C'est le non porte. Oui, bon, ben, c'est bon, je le dirai la prochaine fois. Mais c'est vrai. Puisqu'il y aura un match prochain, la FFR vient de nous dire que l'équipe de France va se qualifier. Ça, c'est un super bon signe. Ah, mais enfin, une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle. On va fêter ça. Vas-y, c'est parti, Coco. Allez, c'est parti. Mais il est sorti rapide. Ah, ça va pas, ça. Ça va pas, ça merde au niveau des avants français. Arrêtez les mecs, arrêtez, on reprend. Et c'est même une pénalité. Non, attendez, c'est contre nous, ça va pas les gars. Attendez tout à l'heure, revenez. Ce sera donc une pénalité pour les Écossais, joli. Et toujours 0-0 quand même, puisque vous le savez, vous maintenant, nous ne disons pas c'est le score. Touche. Non. Ah, bon ralenti là, on aperçoit tout à fait tout ce qui se passe. C'est ça l'utilité du ralenti. Le 4, le 5 arrive maintenant, le 2 maintenant, le tiercé peut-être dans l'ordre, le 7. Non, le 7 est sorti. Ah.
Non partant pour le 7. Touche. Ouais. Merde. Alors, c'est bon, qu'est-ce qu'on fasse avec un 0-0 de fichier, je ne sais pas, on se débrouillera à la mi-temps pour essayer d'avoir quelque chose de meilleur. Effectivement. Et c'est parti. Qui ? Ben là, elle est partie. À vous, Toulouse. Ils n'ont pas l'air concernés, les mecs. Hein. Sport, ouais. Ça sport, Taz. Taz, ouais. Ouais. Sportage. Alors, on va pouvoir la faire cette touche alors qu'il y avait un ballon au sonde pour avoir la température du stade. Jackie. C'est utile la température du stade, hein, Jackie. Oui, bien, j'étais justement dans ce ballon sonde pour pouvoir voir tranquillement parce que je n'ai pas l'accréditation. Non, je ne l'ai pas vu, non. Et donc voilà. Il fait exactement 38 degrés dans ce stade. Et touche française, récupération française avec Coco qui ouvre pour Nil. Non, il saute de centre. Oui, ah, il saute, il revient à l'intérieur. Oui. Oh putain de sa mère. Ah, oui, il ouvre sur l'aile gauche. Et c'est Nil. Droite, centre et tout. C'est pas mal, mais ça ne prend pas beaucoup de risques là. Hein. Non, et oui. Ça n'avance pas énormément, c'est vrai. Nil qui est pas trop en main, si je puis dire. Ça hume well. Ouais. Ça hume well, Benaki. Comme Ouchier qui serait plutôt dans la merde en ce moment au niveau de Toulouse. J'ai cru savoir. Donc le stade de Toulouse qui l'an prochain remettra son titre en 11. Les prises de balle écossaises. Elles sont plus nettes que les prises de balle françaises, Jacques. Hein. La prise de balle écossaise. 100 ans de métier. Et c'est parti. Les Écossais tentent, mais l'arbitre là va faire une mêlée, bien sûr, ordonner la mêlée. Pour l'équipe de France. Ouais, ouais, c'est normal. Ouais. Ouais, Jacques, c'est normal. Ah, Jackie, un moment de laisser aller. Jackie. Oh merde, vous me faites chier. Hein. Ouais, quand je suis tranquille, je ne disais rien, j'étais même pas là. Je m'en foutais complètement. Ça n'intéresse personne, Jackie. Merde. Alors, Chronospeed, c'est Super Speed. Eh bien, ça intéressera peut-être les gens de savoir que ce match ne vaut rien du tout. Pour l'instant, nous n'étions même pas au-dessus des 25 km/h. C'est assez minable. Il y a une tension terrible. On sent l'enjeu par-dessus le jeu. On sent Madame par-dessus. Oh là là. Ah oui, on a tout vu là. Merci. Encore une ouverture. Va-t-on prendre un petit peu de risque côté français? Oui, là, c'est pas mal du tout. Oh, la cavalerie française. Tout va bien, qui a pu donner ce ballon un peu tardivement tout de même. Allez, c'est en sortie. Oula, bien pris. Oui, vous me reconnaissez. On vient se jeter du côté écossais, on va récupérer la balle, non? Non, et voilà. On la donne aux Écossais. Ah oui, Stone. Et Chardon. Fauteuil présidentiel, crêpe, femme de ministre. Ouais, c'est une crème, ouais. Oui, non, je disais, c'est quand même Stone et Chardon, là, un petit peu leur histoire, là, côté équipe de France. Hein. Non, Ocos. Ils se sont connus sur un terrain de rugby et puis ils ont continué. Alors, à un moment donné, ils ont eu une période musicale puisqu'ils sont venus en France faire un duo. Oh là là, il y a du bourre-pif sur la pelouse. Et donc, voilà, ils se sont reconvertis au rugby, Stone et Chardon. C'est tous des pédales. Oui, madame, parfaitement. À vous, Toulouse. Ok. All right. Hey, please, hey. Sporties. Ah, on a vu Bébert, l'entraîneur français, qui venait de se lever. Ça faisait au moins 2 heures que je n'avais pas vu debout. Il si vous me reconnaissez, qui sort et de l'autre côté. Oui, qui était sur la mêlée tout à l'heure. Il y a du changement de partout. Qu'est-ce que c'est? Allô, Jackie, c'est attention, vous? Oui, attention, je suis à côté de maintenant Patrick Tillet. Patrick, qu'est-ce qui se passe? De Philippe Benetton. Et si Schill est obligé d'accord. De sortir, je pense que le sélectionneur oui. Va faire rentrer soit d'accord, très bien. Très bien, merci. Donc vous avez entendu, il va faire rentrer soit Titu, soit Popol. Qui est sans... C'est Simon qui est rentré. C'est Simon. Simon. Ce n'est rien que du bon. Simon. Merci, et la douche. Ricky. Un match un petit peu lent pour ce
huitième de finale, on va dire. Oui, oui. Alors, il est malheureux de constater que quand même, hein, Jacques, oh, les pauvres. L'Europe ne participe pas au grand jeu du rugby. Quel bordel. L'Europe, mon cul. Ah, l'Europe est fermée. Ballon écossais. Non. Si. Non. Bah non, bah mais non, si, non, regarde, c'est... regarde ça, comme c'est fait. Bah, je sais plus à quel ballon, là. Ça fait une demi-heure que les deux, là, ils... Il se passe rien. Les Français se jettent sur la balle, mais les Écossais la récupèrent. C'est bien fait, attention. Ah, voilà, ouais. Percussion au sol. Hop, oh, on donne. Ah, on va pouvoir un peu s'emballer peut-être dans cette partie. Enfin, quelque chose de dangereux. Pénalité. Aïe, aïe, aïe. Pénalité pour les Écossais. Alors là, à cette distance-là, avec les buteurs qu'ils possèdent. À mon avis, c'est permis, autorisé, trois premiers points écossais. Ah, oui, ah oui. D'ailleurs, ils font rentrer le jardinier, voyez, pour refaire la pelouse, tranquille. Oh ta gueule toi. Et donc là je sens très mauvais, oui madame. Ça fait longtemps que vous sentez mauvais. Oui, j'ai pété madame, et je vous... Oui, et alors hein. Eh oui, on revoit cette phase de jeu. Conquérant, présent. Dynamique les Écossais. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Cela dit, cette équipe de France n'a pas fait beaucoup de fautes. On l'a eu connue bien plus fauteuse, fautive, comme vous voulez. Oui, mais peut-être la discipline l'inhibe. Et cette équipe de France disciplinée n'est plus une équipe de France libérée. En tout cas, nous, on se la coule douce. Hein. Goffre, animal préhistorique. Goffre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, mais pourquoi vous ouvrez, vous aussi hein? Attention, attention, oui. C'est Elliot Ness qui va la taper. Elliot Ness en pleine bourre en ce moment quand même, il faut le savoir, il a planté beaucoup, oh, beaucoup, il a... C'est bon pour l'équipe de France, je vois là un attaque avec une super contre-attaque, ce serait bien ça. Oui. Et toi le casse-couille, tu viens pas là. Allons, allons. Dégagement français. Et ce serait une touche. Ah Jacques, tiens. Oui. Une touche d'homme là sûrement qui nous attend avec Deal qui peut penser que tout est possible si du côté écossais rien n'est impossible. Un drapeau flotte, des têtes regardent, beaucoup de lunettes dans cette tribune. On aperçoit Madame Terrasse aux côtés de Bébert, vous savez qu'ils sont très amis. Et touche écossaise, récupération française, c'est bien fait avec un coco, il faut la sortir cette balle. Oui, il l'a donné, allez. Ah, on y ça va, y est, là, voilà. Voilà, on se calme, ah bon. David. Mais ah bon, peut-être avec une super contre-attaque, ouais. Petit coup de pied à suivre, qui va derrière? NTM, non. Et un photographe par contre qui lui est tombé dans le panneau. Superbe. Ah, il l'aura voulu en gros plan, il l'aura eu. Oh, quelle action pour mettre le feu. Enfin les Français là, présents, bien présents. Ah, on retrouve un peu de mouvement, oui. Choose Toulouse, your man. Bon non, tant pis, laissez faire. C'est bon. Ah ouais, bon, ça va. Voilà. On le saura. Oh là là, disons. Eh bien, un métier dangereux et difficile que celui de photographe sportif. Et ce sera une remise au commissariat. Jacques, on n'est pas venu dans cette partie de terrain depuis au moins 20 minutes. Ça fait au moins 20 minutes et c'est bien. Ça fait du bien de penser que cette équipe de France peut opposer une résistance. Elle qui ne l'a pas faite pendant la guerre 40. Ouais, mais tu vois, moi, je n'ai pas de repère de ce côté-là du stade. Alors que là, les Français sont en train de maintenant se ressaisir, semble-t-il. Oui, ils sont dans les 40, justement. Allez, deal. Oh, c'est bien fait. Oh, l'arbitre imbécile, monsieur Tiff. Oh, putain, là. Ouais, il râle, le capitaine français, là. Récupération du ballon par Bent. Il est prêt, mais il tient debout. Il va lâcher la balle. Oh là 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 là, il y avait un Écossais dedans. C'est pas bon, cette affaire-là. Ce sera une mêlée par les Français. Oh, Jackie, ça s'est accéléré, semble-t-il. Ah, bien oui. Oui. De Souchik, photo du curé. Ouais, une photo, oui. Une photo, oui, on voudrait bien voir ça. Et ce sera une mêlée pour l'équipe de France qui semble vouloir enfin peser sur le jeu. Jacques, qu'est-ce que tu fais encore? Je souffle un tout petit peu parce que ce match m'attend du tout. Et on peut s'attendre de tout. Alors ce match. Certains joueurs ont la tête dans le cul, vous le voyez. C'est quand même assez étonnant, mais c'est une technique rugbyistique qui est recommandée pour les enfants. Qui ont des problèmes, vous savez où. Il faut la lâcher, cette balle. Oui, mais il est pris par un Écossais. Et voilà. Va être sanctionné, sûrement, oui. Il va pas lâcher le ballon. C'est ça, la règle du jeu. Il faut lâcher cette balle. Il ne faut pas la prendre sienne. Elle n'est pas sienne, à vous. Pardon, oui. Elle n'est pas à vous, elle est à tout le monde. C'est une ambiance bizarre qui règne ici dans le stade. Un match entre deux eaux.
Récupération Centurie qui va pouvoir dégager. Il obtient une touche. Voilà qui est fait. On revoit quand même. Oui, il fallait la donner là. Ah, trop tard. Merci Jean-Louis. Au tempo ce soir, 164 route de Revel. Rave, parti à partir. Oui, de... oui. Hein? Avec DJ Maya, oui. Oui. Templo. Oh oh. On en saluera pour. On en profitera pour saluer Mike. Et oui. José. Oui. Pourquoi pas. Allez, récupération Napoléon. Oui, il est bien parti. Il la donne à Stuvesante qui va la lâcher, lui. Voilà qui est fait. Ah non, c'est Madame Vérinas qui l'a maintenant. Attention, il y a Bresse. Oh. Mais les municipales. On progresse côté gauche. Didier. Ah non, c'est Bapt là qui est sanctionné. Et récupération par le biais d'une mêlée pour l'équipe de France. Mais pour l'instant, toujours ce score. C'est fini de ces hommes, on ne pouvait pas les inviter à la maison un soir. Oui, on peut essayer, mais en fait, pas trop ça. Ce score nul est vierge. Oui, le score est nul, le match est nul. Les hommes ne sont pas vierges, par contre, ça je peux le confirmer. Ils sont 15, hein. Ça, c'est de l'investigation journalistique. Ah, il a été surpris. Oh, l'arbitre n'indique rien, non. Pas de hors-jeu, la récupération est écossaise. Le Nia. Prune, enfin, Benz. C'est la saison. Non, là, il n'y a pas jeu, messieurs, enfin, messieurs. Ah, il a voulu défendre un petit camarade en distribuant du bourre-pif. Ah, Jean-Louis, s'il y a le bon angle, la bonne caméra au bon moment, normalement, là. Oui, si on peut même écouter, moi, ce qui se discute, là, je crois qu'il y a un micro, là. Ils ne sont pas très contents, effectivement. Est-ce qu'on pourrait revoir ça, Jean-Louis? Sinon, on appelle Toulouse. Hein. Ouais. Non, merci. Ah oui, petit piétinement. Léger. Yeah, oula, oh là, ouais, comme il faut. De parking. Oula, yeah, là. C'est vrai que c'est pas beau, Ah là là, que fait Jim Kerr? Ah, c'était pas joli, non, effectivement. Et là, beau, le joueur français. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir Toulouse? Toulouse, oui, parce que là, nous vivons. J'excuse, mais c'est des gestes. Nous qui avons touché ces joueurs de près. On peut vous dire que nous sommes touchés nous-mêmes. C'est physique. Oh. Sportaz, malgré les apparences, est un ton au-dessus. Voilà qui a chié sur la gueule. Et on va en rester à une pénalité pour l'équipe de France, mais là... Oui, c'est vrai qu'on a manqué un petit peu de gros mots dans cette première période, donc il faut en rajouter. J'excuse, c'est le quota. Ah oui, c'est pas mieux du calife. Oula, et puis alors c'est... Voilà qui est fait. Oui. Eh ben voilà. Belle gauche de ces Simon. Oh. On discute le bout de gras. Je sais que vous avez vu ma femme. Alors vous ne voyez plus ma femme, ou je vous excuse, ni vous d'ailleurs, parce que vous y allez à plusieurs, je le sais. Alors arrêtez, ne l'embêtez plus, ne l'appelez pas, ne lui écrivez pas, c'est plus la peine. Voilà. En gros. Pourquoi pas, en tout cas, match plaisant, si ce n'était que c'est un huitième de finale, on va le redire, que ça considérait ça comme un huitième de finale, finalement. Ouais. On peut le faire, ouais, on peut le dire. Parce qu'après c'est les cartes, tout ça. À tous les niveaux, c'est un huitième de tous les niveaux. Oui, hein. Niveau talent, oui. Niveau enjeu, oui. Niveau oui, jeu, oui, oui. Niveau, oh là. Niveau commentaire, un huitième de commentaire. Oh là, ben. Hein. Donc, c'est sûr ça. Forcément. Et ça gueule de tous les côtés. Les Écossais ont la balle, ils la sortent, c'est bien fait ça. Armstrong qui donne à Gargarine. Qui met un coup de pied à la lune. Oh, c'est bien fait, qui est là? Ah, le rebond est favorable à la France. Oui, l'équipe de France, tout va bien. Écarte, et NTM. Allez, on contre-attaque, on joue le jeu. Allez, oui, on revient, on repique sur l'intérieur. Pas mal. Allez. Oui, comment qui te perce tout? Allez, ça, il a un appui. Il a de l'appui. Goal. Oh là 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 là,
sur l'extérieur avec un crochet encore intérieur. Century. Oh là 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 là. L'émotion dans le slip sur le côté gauche. Allez. Encore le Mammouth fermé. Il a réussi à donner à Dill, non? Et touche. Ah, enfin, merci NTM, merci. Oh là là, c'est parti de lui et ils n'en reviennent pas, les remplaçants de 1928. On va revoir ça, Jean-Louis, ça vaut le coup quand même, hein, pour une fois. Comment ça, t'as pas le ralenti? Non. Tu l'as pas pris? Oh, t'es con. Oh, oh le bougre, le con. On commençait à peine à assurer, là, et tout. Et c'est une mêlée qui s'écroule. Ouais, ça, c'est pas cool. Ah, tu vois, quand ils veulent courir, donner de la vie, le bien, jeu ils sont à là. La française, bordel. Eh ben oui, enfin, quoi, merde. Ah oui, alors vous n'oubliez pas, là, samedi après-midi, c'est aujourd'hui. France-Écosse. France-Écosse. Dégagement écossais, tranquille. Ouais. Et petite touche. Ouais, petit coup de pied, là. C'est McDee qui a dégagé petitement, minablement, et Orangina, il va y avoir un homme. Chirac, à kick. Orangina, slip à Chirac, à kick. Bah, le slip, ouais, c'est le tribolo, ça. Qui était cet homme, en haute forme? C'est pas, je suppose, Sir Andrew. L'entraîneur écossais. On ne parlera pas de Sir Andrew, qui est royaliste. Nous ne le sommes pas, nous sommes désolés. Attention, récupération Benz. Mais il est bousculé, il va la lâcher, oui. Oui, l'équipe de France à la balle. Oh non, elle allait la voir. Elle ne l'a plus. Oh, il y a une cafouillade. Oh là 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 là. Oh là, une cafouillade favorable à l'Écosse, semble dire Monsieur Lys. Et belle récupération du ballon par les Scotland. Man. Et ce sera encore un arrêt de jeu parce qu'un joueur est blessé, reste au sol. Joueur français terriblement, terriblement physique comme match. Jacques, tu me suces? Non. Là, par contre, ce joueur, lui, aurait bien besoin de cela. Il a l'air fatigué, le kiné est là. Il n'en faudrait pas trop quand même parce que là, il est limite. Attention, attention. Attention au sac, messieurs. Vous voyez pas, vous allez marcher sur le sac. À vous, Toulouse. Sport. Daz. Le joueur français est en train de faire un léger striptease dans la tribune, tranquille pour l'instant, mais l'entraîneur lui dit cool, très calme. Voilà. C'est une tradition française. Laisse-les d'abord s'exciter. Et c'est une mêlée. Qui est sorti? Jackie, putain, où vous êtes? Jackie, la sortie, c'est par où? Ça, vous connaissez, vous? Oui, 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 comme la sortie de ce disque qu'on écoute, s'il vous plaît. Promotion des jeunes artistes français. Allez, donne-toi, petit, vas-y, donne-toi à fond. C'est le moment Sportage, 10 000 auditeurs. Attends, attends, qu'est-ce que c'est que ces paroles de merde? Non. Allez, casse-toi, casse-toi, allez, c'est bon. Retour à... Ouais, je sais pas où ils les trouvent, mais ils y sont en tout cas. Mais c'est bien, Jackie, quand même, d'essayer de promouvoir le talent français. Ouais, si seulement il en avait. Un brin pour le trouver. Attention à cette mêlée écossaise, on pousse côté français. Ce soir, je te rentre en mêlée. Ah ben tout le monde alors. Joyeuse fête. Récupération, c'est le 9 qui va la sortir, c'est Scotland Yard qui ouvre pour McDee qui dégage. Tout ceci est fort traditionnel, ma foi. Ma foi, c'est du rugby assez classicos. Heureusement NTM, eh oui, heureusement. Wazir, ah oh, c'est à Coco qui est sorti. Ah. A Coco est sorti, et c'est Hubert qui entre. Hubert. Hubert est là, Saint-Hubert. Ça va normalement lubrifier dans les rouages de l'équipe de France. Ah, bien, bien fait ça. Sortez-moi là cette putain de balle. Ouais, ouais, Jackie, je crois que t'as raison, il faut les aider. Ouais. Et oui, bien fait ouais, le deal. Petit coup en profondeur, mais non, récupération et dégagement magnifique de Hilgnis. Ah oui, oh oui, quel beau dégagement. C'est McEnroe qui a dégagé. McEnroe, excusez-moi, parce que McEnroe est quand même pas tout jeune. On n'attendait pas à ce poste-là. Non. Ni sur 94, ni ici à Pretoria. Merci à TF1 de retransmettre les programmes de Radio Campus, bien sûr. Mammouth est là. On écoute, Mammouth. Au rayon charcuterie, promotion sur la mortadelle.
Récupération bien fait ça. Emploi stable, allocation. Remboursement sécu, emploi stable, allocation. Et c'est une touche, mais pour l'instant nous sommes dans le camp écossais, dans les 22 mètres plus précisément. Je dis ça pour ceux qui sont dans leur voiture, qui n'ont pas l'écran ou qui sont en ce moment même bloqués dans une toilette quelconque. Touche française. 3-0 pour les Écossais. Oh, c'est pour te faire peur. Non, il y a toujours 0-0, c'est terrible. Il n'y a pas eu de but, ni d'essai, ni d'embûne. Il n'y a que des embûnes dans ce match. À part Société Générale et Wilkinson qui viennent voir de temps en temps, il n'y a personne. Non, c'est vrai. Pénalité pour les Écossais qui vont pouvoir tranquillement se dégager. Jean-Louis, il reste combien de temps, s'il te plaît? S'il te plaît, merci. Jean-Louis, en bas avec le petit carré, là, tu affiches tout, tu sais. Je crois que c'est le bouton 8. Non, c'est pas celui-là, ça c'est le 6. Le bouton 8. Ça fait quelques fautes, comme le soulignait Pierre Verbizier. Non, il souligne pas, rien il du pas, tout. Laisse-le, il a... Laissez-le dormir, s'il vous plaît. C'est couché tard. Et pénalité une nouvelle fois pour les Écossais. Aïe, si on respecte, on va prendre 10 mètres dans la cahute. Ah là là. Oh. Ça craint. Ça craint terriblement. Quoi. Alors là, Jacques, tu vois, il a loupé le plus facile, mais je suis certain que ce bourre, il est capable de réussir le plus dur. Non, à mon avis, ils ont le pire qui les attend en deuxième mi-temps, parce que la pression sera maximale. Et là, ouais. À ce niveau-là, les Français aiment bien la pression. C'est vrai. Enfin, moi, surtout. Mais la pression écossaise est quand même nettement supérieure à la pression française, quoi qu'on en dise. Oui. Et là, j'aperçois Elliot Ness qui caresse le ballon, qui se le touche un peu. Oui, Jacques, vous avez tout à fait raison, et... mais vous êtes valable dans votre analyse. Oui, merci. Merci, jeune homme. Mino. Allô. Allô. Allô, Toulouse. Non, personne. Laissez la pénalité. Attention, ah, c'est dangereux. Oui. C'est jamais. Le ballon va partir seul vers les poteaux. Est-ce que quelqu'un va pouvoir le rattraper? C'est le moment de regarder. Dégueulasse, Jackie. Vous êtes comme pourri. Ah, merci. Et c'est parti. C'est loupé. Et mais putain. Et voilà, ouverture du score, voilà. L'égalisation. C'était quand même mérité pour la première mi-temps, vous voyez. On joue à 38. Oui, c'est vrai Jacques, en ce qui concerne quand même, hein, c'était mérité. 3-0 pour l'équipe d'Écosse, ça sent la mouise. Ouais. Oui, monsieur Lys, ancienne ballerine, faire des gestes d'échauffement. Jacques, si tu étais entraîneur, que leur dirais-tu à la mi-temps, mon chéri? Faut y aller, faut mettre le pack et mettez-moi en 12. Je pense que c'est la bonne formule. Alors ça y est, vous couchez ensemble les deux? Oui, Jackie, ça vous fuit, non? Eh oui, on peut pas être partout. Hein. Menteur, hier soir, je sais où vous étiez. Attention à cette sortie pour l'équipe de France, un petit film au cinéma extraordinaire. Oui, nous y étions, mais pas ensemble tout à fait, quoi, dirons-nous. De toute façon, Jackie, vous ne voyez les films que depuis un lieu stratégique. Attention, les Français, non, ils ont tombé la balle, voilà. Les Écossais vont pouvoir relancer, là. Ils perdent beaucoup de balles, les Français. Par contre, le public n'a pas perdu la voix, lui. Ah hein. Non, apparemment, il aime bien, pourtant. Je pense qu'il y a ce match de très intéressant, sinon 2-3 actions qui sont montées à plus 20%. Dont une terrible, fantastique en diagonale, celle du fou de l'équipe de France. 38-38, maintenant 38-39, la température monte et pourtant, l'équipe de France est menée. Ah, c'était pas ça. Non, c'est apparemment pas ça. Récupération écossaise, ce sera une retouche. Boudu, une retouche à cette heure-ci, mais vous voulez me faire finir à quelle heure? Avec un Sportaz. Ta gueule. C'est la bonne humeur pendant plus d'une heure. Sportaz. Prise de Macabane. Allez, Benaki. Benaki qui tient, mais il est seul. Ah non, il y a quand même d'autres joueurs avec lui. Eh oui, non, mais là, oui. Ouh, l'arbitre est gentil quand même, parce que, effectivement.
Ah, l'arbitre, beau, magnifique, le geste, on sent vraiment l'ancienne ballerine. Boudu, mais c'est l'occasion de d'égaliser. Ah oui, peut-être l'occasion de l'égaliser, oui. Oh, ben, s'il la loupe, dis donc, j'arrête, oui. Ouais, vous pouvez téléphoner au 61 21 64 05 si vous voulez l'égaliser, vous aussi. Vous le dites à l'antenne et vous pouvez gagner au choix un t-shirt WarNG, un disque de Natural Mystic Tour. Et un single super, de Garçon Boucher. Oui, un single de Garçon Boucher si tu veux au choix aussi, avec aussi Power Magazine et son fabuleux abonnement de 3 mois. Et avec tes conneries, Jean-Louis, on a loupé la transformation ici, bien sûr, de Javel. J'ai pas vu là. Alors il a tout gagné le mec là ? Il a tout gagné ? Non, bah non, il a pas appelé. Ah oh, bah merde. 3-3, égalisation réussie par Javel. À quelques secondes de la mi-temps, c'était caché, mi-temps, stop. Une merde, stop. Oui. Natural Mystic Tour, oui, c'est ça, à Montauban le 13 juin, oui, c'est ça, d'accord. Merci. Allez, 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 qu'est-ce qui se passe-t-il encore ? Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, l'égalisation est liée, c'est sûr. Ouh, Stuvesant qui s'en va ! Ils se sont enfoncés, les défenses françaises ont du mal. Oh, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien, les Écossais. Jacques, j'ai peur, je me les sens mal. Que se passe-t-il ? Où est l'équipe de France ? Les vraies équipes de France, non, celle de Spanghero, celle de Toga. Oui, oui. Oh oui. Petit problème de placement. Et oui, mais surtout pénalité. Et juste en face des poteaux, 6-3 donc à la mi-temps, on va pouvoir le dire tranquille. Ouh là là, que c'est proche. Ils vont la jouer à la main. Ah, c'est pas possible ça, non, c'est pas comme ça. Non, ils sont radins, les Écossais. On le sait, oui. Mieux vaut 3 que 6. Ah. Vous jouez avec nous. Ouais, bon, oui. Ils n'ont pas envie d'appeler. C'est non, pas mais ils ont raison, ils ont raison. L'année prochaine, vous rappellerez. C'est qu'un coup de fil, ça équivaut à 100 auditeurs. Hein. Je suppose que nous devons être en dessous de la moyenne générale autorisée. Attention à cette pénalité. Elle est passée. Là, l'équipe d'Écosse qui reprend l'avantage 6-3 juste avant la mi-temps. Oui, mais c'est mérité, prévu et Allah Akbar. Aïe, qui va mal la berbise là. Dis donc, t'as vu, il avait un coq dans la poche. Coq. Bonne remise, récupération française avec Benaki qui est pourtant le seul pour l'instant, le seul avant français en vue. Bonjour à Eve qui vient de rentrer. Et Eve, notre superbe technicienne. Attention, Deal, qui ouvre ? Javel, qui s'enfonce comme ça ? C'est tout va bien, mais il est pris. Tout il la lâche, cette balle, oui ou merde ? C'est fait. Oui. Oh, Hubert contré ! Oh, Hubert, le mauvais choix. Le mauvais choix, Hubert. Et récupération du ballon par les Écossais qui, eux, se dégagent. C'est bien fait. Derrière, Century est là. Et dégage du droit. C'était pour la rime, parce qu'en fait, il a... Dégager du pied opposé. Oh, bien fait ça! Elliot Ness qui s'en va! Oh oui, Elliot Ness, superbe action! Un essai là, peut-être mérité! Oh! Il était parti seul! Il avait tout laissé! Laissé au bout. Et là, les plaquages minables des Français. Oui, mais ils étaient insuffisants. Voilà, alors là, Jacques, maintenant, il va falloir quand même... Il va falloir compter les points. Bon, parce que ça fait quand même 5 de plus. Là, oui. Ça fait beaucoup, là, maintenant. Pour peu qu'il nous le transforme, le bougre, le salopard. Donne un bon petit coup de bambou, juste avant la mi-mi-temps. Quel beau placage. On se requinquait là à la mi-temps. Je ne sais pas ce qui va se passer du côté de Toulouse. Bravo Toulouse. On va suivre ça quand même. Oh là là. My Sportos. René, ferme la porte, on entend les klaxons dehors. Aïe, ça va mal. Ça va mal. Partout. Effectivement, partout. Il va la tenter la transformation sous le regard de ses coéquipiers qui l'aiment tous. Il est là. Il regarde les barres, il regarde le ballon, il regarde les barres, il s'élance, il ne voit même plus l'arbitre. Et voilà qui est fait. Ouh là 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 là, ça devient dur, Jacques. Ça devient très dur. 13-3 pour les Écossais. Aïe. Aïe. C'est un moment dramatique pour nous. On voit la charge. Ah, merde.
la mi-temps. Relaxez-vous. Relâchez-vous. Dans un instant, nous serons avec vous. France-Écosse. Ça va mal. Ils sont tous dans le stade là, on va pouvoir aller faire les caisses.